Aujourd'hui, on se retrouve avec le booster de Groudon. Oui, il s'agit d'un booster appel de légende pour le petit déjeuner. Je l'ai pas posé parce que je me suis dit qu'il est tellement petit à côté des cadeaux d'abonnés que fallait quand même le mettre un peu plus en avant. J'ai essayé d'imiter son cri, mais à mon avis, je me suis totalement foiré. Je m'en excuse. Allez, on va démarrer le petit déj. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, un booster appel de légende, comme je viens de vous le dire, avec des cadeaux d'abonnés de la même personne, de Marielle. Je te remercie pour ce que tu m'as offert. On a plein de petits paquets cadeaux. Ça a l'air énorme. J'espère pouvoir vous faire profiter de cette pioche avec vous. On a plein de cartes à mon avis, ça va être super. Mais avant, le ritournel des petits déj impose qu'on ouvre le booster du jour. Et j'ai pas choisi n'importe quoi. Ouais, j'ai répondu à la demande d'un abonné qui me parlait des boosters appel de légende. Il aimerait bien en revoir parce que c'est sa série préférée. Et je suis d'accord, ça a été longtemps ma série préférée à partir de Noir et Blanc, Soleil et Lune, etc. La XY, clairement la dernière série pour moi la plus belle et que j'ai quasiment complétée à 100% dans les blocs récents, ça a été Soleil et Lune. Regardez-moi à quel point ces boosters sont jolis et attendez de voir les cartes à l'intérieur, vous m'en direz des nouvelles. Alliance des puissances, affrontement des forces, voici venu l'appel des légendes. Allez c'est parti, passons à l'ouverture du booster et espérons pouvoir avoir une bonne pioche en ce matin. Si c'est pas le cas, bah vous inquiétez pas, Marielle a pensé à nous et elle nous a offert des petits cadeaux d'abonnés. J'espère qu'on va être gâtés. Allez, j'ai super bien ouvert le booster pour une fois. Le placement des cartes, à mon avis, c'est comme les séries récentes à partir de Soleil et Lune. Donc je vais mettre les 3 cartes de la fin au début. Il s'agit des peu communes. Et c'est parti, on y va. On démarrera cette ouverture avec une énergie métal. On a l'habitude de la voir, celle-là. Regardez-moi ça, la beauté. Pyroli avec sa pierre d'évolution. Il s'agit de la pierre feu. Très belle évolution, pas facile à dire. Une supporter, le questionnaire d'interview. Ça, je m'en passerai bien. What What en commune, Germignon, qu'est-ce qu'elle est belle cette commune, j'adore ce Germignon et ce Pokémon, c'est waouh. On continuera avec le petit Fampi, ça me fait penser à la nouvelle mise à jour de Pokémon Go, Relicante, le petit Hérissandre, on a eu Germignon, Hérissandre, peut-être le Caminus après, on va voir, ah non, on est déjà à la Reverse et waouh, Dialga en holographique Reverse, c'est une excellente pioche. Une holo reverse, bah voilà, on a au moins eu la holo. Espérons peut-être encore une bonne carte derrière, on va voir, sinon ce sera une rare. Alors attention, il s'agit d'Oursaring en rare. Les deux Pokémon font un espèce de dab en avant, je sais pas si vous connaissez l'expression, mais je trouve ça pas mal. Les deux vont dans le même sens, deux Pokémon, ah non j'allais dire un color, mais non, Dialga est métal, tout à fait, il est dragon et acier. Pas mal. Au niveau des cartes du booster de ce matin, l'appel des légendes n'est pas une série que j'ai beaucoup ouvert ces derniers temps. J'avais bien vu que je vous saoulais un petit peu avec Soleil et Lune. Alors c'est pour ça que j'essaye d'augmenter un peu le contenu de mes vidéos en vous proposant des boosters qui changent de Soleil et Lune. Et là aujourd'hui c'était l'appel des légendes et on a eu une très bonne pioche avec cet Dialga en holographique reverse. Maintenant la vidéo n'est pas terminée grâce à Marielle, on a des cadeaux, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. On va commencer avec le numéro 1 et je vais les mettre 5, 4, 3, 2, 1, la vidéo va durer longtemps, on a 5 gros paquets cadeaux. Alors, c'est parti avec les premiers. Numéro 1, j'ai fait de ta random, tu te débrouilleras avec ta chérie pour répartir les cartes. D'accord, c'est noté. Ça veut dire que dedans, il y a autant de cartes pour moi que pour Explicami. Alors là, on a un gros tas de cartes. Au moins, là, on en a pour un moment. Et je vais peut-être passer vite, sinon on va pas y arriver. Kabutops, des énergies. Oh, pas mal. Fennec, c'est du XY, tout ça. Riolus, Pong, Topicker, Strassi, qui est une rare dans Impact des Destins, je crois. Qu'est-ce qu'on a là? Beaucoup de dresseurs, des communes, des miaous. Bon, je vous passe un peu vite, parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Et il s'agit beaucoup de communes et de peu communes que vous devez connaître sûrement. Scrutella, je vais m'arrêter pour moi sur les cartes que je préfère. Loclas, très belle carte et très beau Pokémon. On l'adore tous en général. Caninos et Arcanin, ça c'est pour moi, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a après? À nouveau Loclas, je m'attarde encore une fois dessus parce que j'adore. En plus, elle a été rééditée dans Soleil et Lune en GX. Ils ont fait un très bon choix, je trouve. Qu'est-ce qu'on a là? Décéliante, ça c'est une carte du deck, il me semble. Et enfin, on terminera avec un Karmash, du dragon, mais cette fois-ci, il était de type sol. C'est pas forcément le type combat quand on voit cette énergie. Parfois, cette couleur de carte, c'est aussi utilisé pour les types roche et sol, et pas que combat. Bon, pas mal ce petit tas de cartes, il y avait pas mal de Pokémon. On passe au numéro 2. Puisque je ne collectionne pas le français... Ah, ça veut dire quoi ça? On vient d'avoir du français pourtant juste avant. Oh lolo, là il y a l'air d'y avoir de belles cartes. Sous pochette, attention, on va peut-être prendre notre temps cette fois-ci. Le lien spirituel de Léviator en reverse. La super vol en reverse. Monorpal, ça il s'agit de rupture turbo. Mélofée, pas mal de reverse. Symbios, beau Pokémon. Otaria.
Ammonistar, pas mal, une rare reverse, c'est bien, bien, bien. Amphinobi en holo reverse. Du dragon, Cravarèche, je crois que c'était la seule dragon de sa série dans Rupture Turbo. On continue, Meganium holographique de Rupture Turbo, génial. Quand je vous disais que j'aimais Germignon dans l'Appel de Légende, et ben là, on a son évolution finale, le Meganium. Prismillon, ça c'est une promo qu'on avait dans les tripacks. Oh, waouh, super, merci. Genesect X en ultra rare. Encore un pack des destins, j'ai l'impression que t'as ouvert pas mal de ces séries-là. C'est super gentil de ta part de nous envoyer ça. Magnifique. Alors là, voilà, là, on a eu une holo dans le booster appel de légende des ultras. Merci Myriel, tu me touches énormément avec ces envois. Oh là là, il y en a encore une autre. Le Mewtwo X de la Pokébox. Super! Ça fait plaisir, regardez-moi ces deux belles ultra rares. D'ailleurs, en plus, le Genesect est de la couleur du Mewtwo et le Mewtwo de la couleur de la carte Genesect. Vous m'avez compris. Voilà, je m'emmêle un peu les pinceaux, mais ça fait super plaisir. Elles sont magnifiques. Allez, on va continuer parce qu'il reste encore des cadeaux. Je les ai ouverts dans l'ordre, hein, j'espère. Le numéro 3. Je suis presque. Oh là là, là, là j'ai un peu de mal à lire. Je suis presque machin que tu ne les as pas en Jap. Ah, je suis presque sûr que tu ne les as pas en Jap. Ah, tu me mets du challenge. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du japonais, c'est quelle série celle-là? Soleil et Lune. Ah bah oui, j'ai pas ouvert Soleil et Lune. J'aimerais bien ouvrir la deuxième série de Soleil et Lune en japonaise quand on va sortir. Ça doit arriver d'ailleurs dans quelques jours. Mais je ne les ai pas en japonaise, tout à fait. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, elles sont aussi belles en japonaise qu'en française. Et encore, je trouve que la qualité japonaise est meilleure. Là, on a Chrysaphile, je l'adore dans Soleil et Lune. Même quand j'ai envie de changer et de ne pas vous ouvrir du Soleil et Lune, les abonnés pensent à vous et vous rajoutent du Soleil et Lune. Vous direz pas que c'est de ma faute, hein. Le Rattata d'Alola que j'adore également. Il y a des petites carte coup de cœur comme ça dans Soleil et Lune, les seuls dragons, Mini Draco et Draco, et le Dracolosse, mais c'est normal que là il y soit pas, on a été assez gâtés comme ça, et quelques énergies, super, waouh! Ce cadeau d'abonné nous fait découvrir énormément de cartes différentes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le numéro 4. Je ne. Ah, que tes petits-déj en soleil, mais. Ah, elle est en train de me dire que mes petits-déj en soleil, c'est matinée. Ouais, ça me fait plaisir. Bah voilà, bah, j'espère que celui-là, il va te refaire ta journée et peut-être toute ta semaine, parce qu'en tout cas, aujourd'hui, on prend énormément de plaisir grâce à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Encore du soleil et lune. Qu'est-ce que c'est que cette fois-ci? On va découvrir ça. Qu'est-ce qu'on a? Chrysacier. Ah, waouh, j'ai l'impression qu'elle a fait toute la série. Il y a numéro 60, j'ai l'impression que c'est classé dans l'ordre. Ah, il y a des cartes à l'envers. Qu'est-ce qu'on a là? Canino, super. Est-ce qu'il y a l'Arcanin? 10. Ah non, il manque le 10. Ah, elle a pas mis l'Arcanin. Elle m'a eu. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Cocombap, ça c'est des cartes qu'on a. Pff, je les connais par cœur en français, je les tire tout le temps. Le Persian d'Alola, il a une très grosse tête celui-là aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Les seuls types acier. C'est vrai que Topicœur tombe pas assez souvent quand même dans Soleil et Lune, je trouve. Topicœur et Ermure. Là on a quoi? On a un peu de tout, c'est pas mal du tout. Du japonais à gogo. Au moins, ça me permettra d'avoir la série en japonais sans l'avoir ouvert. Pas mal quand même. Et le dernier, last but not least. Le dernier, mais pas des moindres pour ceux qui ne sauraient pas comprendre l'anglais. Oh là, on a des super belles pochettes, regardez-moi ça. Waouh! Alors là, je vais faire des jaloux dans l'assistance. Nous avons toutes les évolutions sur une pochette. Noctali, Voltali, Pyroli. Magnifique! Elles sont splendides. Alors, on va la découvrir. Ouais, il était là en fait. Elle me l'avait caché, le Arcanin holographique japonais. Non, celui-là, je sais que je ne l'ai pas dans ma collection. En français d'ailleurs, je ne l'ai même pas. Parce que celle que j'ai tirée n'était pas en bon état et j'avais été très déçu. Alors, au moins, je vais l'avoir en Jap et je vais la mettre dans ma vitrine. Merci. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici? Hop, oh, Rubombelle, je crois que c'est ça, je connais pas encore par cœur son nom. En holographique, très bien. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je peux les déballer comme ça? C'est un peu le bordel, d'accord, je vais changer de sens au final. On a quoi? Brindibou et des énergies en holographique. Waouh, elles sont belles les énergies en japonaise, je ne connaissais pas. Eh ben, ce petit déj aura été très riche. Et le Brindibou, c'est peut-être une promotionnelle. Je pense que c'est une promo qu'on avait dans les tripacks japonaises. Je suis pas sûr, mais en tout cas, on a eu des cartes de partout. Ce petit déj a été titanesque. Je voulais mettre en avant le booster appel de légende. Et au final, bah, on a eu des cartes de partout. Des ultra françaises, des holo japonaises, des cartes communes, peu communes et rares françaises et japonaises. On va quand même remettre le Dialga. C'est bien normal qu'il soit là pour la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo du matin. Petite vidéo, à mon avis, elle fait même 10 minutes. Je suis désolé, mais en tout cas, je remercie énormément Myriel pour ses cartes. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire en la remerciant parce que ça me fait hyper plaisir. Bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça a été vraiment le cas. Et
qu'est-ce que vous me gâtez, je suis pourri gâté, et ça je saurais que vous dire merci, merci et merci pour m'envoyer de tels petits items. La prochaine fois, je vous ferai peut-être gagner quelque chose pour en faire profiter également les abonnés. Mais après, je sais pas si c'est bien vu, parce qu'elle me fait des cadeaux, et après ces cadeaux qu'elle me fait, bah je vous les fais gagner également. Ça peut mal passer, donc comprenez ma position que parfois, bah j'évite de le faire. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et on se retrouve très très bientôt, comme d'habitude, pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.